Donc pour moi, si j'ai quelqu'un, un petit frère, un fiston, un pépéro, qui dit être fanatique de moi, qui se fait appeler, qui se nomine bébé sans os de moi, pour moi c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction parce qu'on ne peut pas imiter quelque chose qui n'a pas de la valeur. Voilà, on ne peut pas imiter quelque chose qui n'a pas de la valeur. Donc du coup, si moi Dieu me fait la grâce que quelqu'un, un être humain, même quel que soit sa carrure, quelle que soit la face qu'il a, qui est totalement différent du mien. Vous comprenez? Pas rentrer dans les détails. Moi, je ne suis pas venu pour dénigrer. Mais dans la vie, quand quelqu'un t'imite, rends gloire à Dieu. Dis, ah, Dieu merci. Alhamdoulaye. Tu comprends? Parce que c'est une bénédiction. Maintenant, vers la fin où ça va dans de la foutaise, là, il faut que ça s'arrête là. Tu peux m'imiter, mais aller jusqu'au fin fond du plus profond du bas-fond pour te foutre de ma personnalité. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais à Abidjan, j'étais concentré dans mon coin. Moi, je le savais, c'est que je vivais dans ma petite souffrance que Dieu m'a accordée. Parce que dans la vie, là, il n'y a pas d'humiliation sans l'élévation. C'est-à-dire que Dieu promet qu'on t'humilie pour qu'il t'élève. Donc, s'il n'y a pas d'humiliation, il n'y aura pas d'élévation. Donc, aujourd'hui, si moi j'ai accepté qu'une personne m'imite, prends mon nom. Aujourd'hui, quand on dit que non, il coûte que toi. Mais quand on dit, avant qu'on dise demain, là, quel est le nom qui est prononcé avant? C'est bébé sans os. On n'a pas dit carotte de main, on n'a pas dit pilon, mais on n'a pas dit village de main. On dit bébé sans os de main. Maintenant, si aujourd'hui, là, vous ne venez pas reconnaître le talent des gens, qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai gagné du monde, dans les quatre points du monde, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon énergie, mon savoir-faire, mon intelligence. Vous comprenez? J'ai donné de mon âge parce que, comme on le dit, plus les années passent, je crois dedans. Oui. Pas que j'ai demandé. Quand tu vis au monde là, Dieu a déjà un destin pour toi. Donc dans la vie, quand aujourd'hui là, quelqu'un vous égaye et que demain c'est plus la même chose, dans la vie là, on dit ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. Mais moi je suis dans mon coin tranquille. On dit il court tout le monde. Oui c'est vrai, mais quand même on dit que non, il y a les comparaisons, il court que toi, il a couru que toi quand tu as fui, tu es parti en bengue, que bébé soit demandé, gouverner toi à Abidjan. Mais oui c'est bien beau. Mon fiston, mon pépéro. Vous gouvernez. Pendant que moi, je suis venu ici développer, vous ne comprenez rien dans votre gamme. Moi, je suis trop dans le futur. Comprenez? Moi, je suis trop dans le futur. Donc là, moi, je sais comment je développe. Donc, les histoires de c'est mamie, c'est l'autre. On dit, couvre. Moi, je suis venu en banque. Je suis venu gouverner. Lui, il vient. On considère qu'il est laissé Abidjan dans ses mains. Mais tellement les gens veulent dénigrer tellement. C'est-à-dire qu'ici, il est venu en banque. Vous étouffez. Moi-même, vous savez que. Bébé Sauce, l'original. Lui qui est gay le monde, il a un bengué. Vous faites semblant comme si vous dormez. Il n'y a pas plus sorcier que celui qui refuse de voir. En tout cas, taguez Bébé Sauce demain. Taguez Dinako, le manager de Bébé Sauce demain. Taguez celui qui l'a fait partir en bengue là. Maintenant, ce message est véhiculé à Bébé Sauce et ce message est véhiculé à tous les promoteurs. Le promoteur qui préfère prendre la photocopie pour laisser l'original là. Si c'est la moquerie, l'hamdoulaye. Moi, je ne suis pas jaloux. Hein. Tout ce que vous voulez là, dites. Mais quand il y a la réalité là, il faut le reconnaître. Vous laissez l'original qui s'est démédé de lui-même. Pourtant, vous saviez qu'il est à Abidjan. C'est chaud. Et quand on dit qu'on couait lui, vous me laissez Nimi. Moi, je me démède. Si elle nageait, il est rampé, il est couru, mais si elle accroché sur le bateau, il est pris vol. Vous ne saviez pas. Mais moi, tout fait, qu'était là. Big up à nos jaguars. Voilà, c'est celui-même qui m'a fait venir ici. Vous comprenez, mais je n'ai pas nagé, mais big up à ceux qui nagent. Mais moi, je n'ai pas nagé, j'ai pris vol. Première classe, mais oui. Voilà, et puis je suis là. Donc, quand les promoteurs là, ils savent que je suis là. Mais eux, ils pensent béré. Moi, je les ai fait quoi? Je les ai rien fait. On préfère prendre la photocopie et puis on laisse l'original. Et puis maintenant, ils vont dire quoi? Ah, mais ça, moi, je ne suis pas jaloux, hein. Mais quand il y a la réalité, on a dit arrêtez les comparaisons. Puis maintenant, là, j'ai fait ce direct-là pour dire aux promoteurs, ceux qui invitent l'essence de moi, là. Trop, c'est trop. Moi, je vous donnez-moi des dates. Fa, on dit le fort, il court. Il est laissé à Abidjan, il est venu en bengue, il veut courir. Vous dites que quoi, il court, moi, qu'il est allé en bengue, il trouvait. Il ne m'a pas trouvé. Il ne m'a même pas trouvé, même. Moi, je suis dans Bengue, hein. Moi, je ne me cache pas. Sûrement que je ne sors pas. Je suis venu développer mes histoires de cours de danse, de développement. J'ai une famille, j'ai des enfants, wesh. On dit bébé, ça se demande, mais moi, j'ai des enfants. Il n'y a pas dit j'ai enfants, j'ai des enfants.
Et je suis conscient. D'un moment à l'autre, là, quand tu prends de l'âge, il faut savoir t'assagir. Maintenant, quand vous faites toutes les comparaisons, là, Dinako plaisir, bébé sans des mains, et puis son manager qui est en banque l'a fait venir là. Et puis tous les promoteurs là. Trop c'est trop. Trouvez-moi des dates. Moi lui fa. On met mon morceau. Moi mes sons là. Mais moi beaucoup de sons. Hein, c'est pas, moi aussi dans le nom est boss. Lui ses sons là. On met la partie roucascas. Moi il tue. Moi mes sons là. On met la partie roucascas. Il tue. Maintenant vous saurez que la photocopie se différencie toujours de l'original. Trop, c'est trop. Bébé Sodema, il est à Paris, non? Trouvez Tatami, le manager là. Moi aussi, disponible. Après, je vais mettre le numéro en bas. Mon manager va mettre le numéro. Moi aussi, disponible pour tout affrontement, Bébé Sodema. Comme il veut défier l'original, Bébé Sodema de la Eurogang. Donc, votre Bébé Sodema, les promoteurs là, ils vous laisser un numéro ouvert, un numéro vert. Beauté dedans. Si vous voulez voir clash et puis trop, c'est trop. On voit entre moi et lui là. On a un micro qui chante bien, qui danse bien, qui égaye la foule bien et qui mérite sa place là. Ce jour là, mon numéro ouvert tous les promoteurs. Il y a un numéro qui sera là. Vous appelez. Moi, il m'apprête. Il n'a qu'à s'apprêter. Et puis tatami, tatami. Et puis là, là. Chacun maintenant va marcher dans la droititude. Chacun va respecter. Qui doit respecter? L'homme parle, Caillou parle, c'est manga. Moi, je parle, lui va aboyer. S'il a fait erreur, mon numéro ouvert, tous les promoteurs, et le promoteur qui l'a fait venir là, mon numéro ouvert. Ne triche pas. C'est vrai, tu te fais des sous. Je n'en disconviens pas. Mais il faut savoir te faire les sous. Mon numéro là, je vais le mettre en bas. Le numéro, tu peux joindre pour que moi je sois disponible pour ce clash là, pour mettre fin à tout ça là. Le numéro sera affiché. Vous appelez. Je vous donne mon programme et puis on borde dedans. Hein? Parce que là, trop c'est trop. Ne pas parler ne veut pas dire que tu es muet. Ne pas parler ne veut pas dire que il sait pas quoi. Moi je suis pas là pour regarder commenter des gens qui sont venus dénigrer les gens dans mon direct. Tu t'es trop fâché, tu te désabonnes. C'est comme ça, c'est la vie, c'est quoi, c'est... Mais oui. T'es trop fâché, tu te désabordes de ma page, tu sautes en l'air, tu caltes, tu mords tes testicules et puis tu te fais foutre. Voilà. Donc là, j'ai fini de parler. Si ce que Dieu vous bénisse, hein, véhiculez ce message, partagez ça. Dites à Sens de moi et Dinako premier et le manager de Paris, tous les promoteurs là. Moi, je veux un clash face à face. Comme le lève veut défier le professeur, le maître, ils n'ont qu'à trouver des dates. Moi, lui, Fafa. Mais c'est trop djinzin là. Il n'a qu'à apprécier ses gars de quoi en même temps. Voilà. Et moi, pas de que c'est bagarreur. Hein. Mais si c'est trop djinzin là, il n'a qu'à bien apprêter la sécurité. Et ces jours-là, là, il te met au pas, tu es parlé, il te remet au pas, tu es trop gueulé le main, il te frappe encore pour mettre dessus. C'est pas là qu'il part. Donc, tous les promoteurs là, on dit lion mais pas Gucci au monde. Lion mais lion au monde. Donc là, quand vous calez les mouvements de Fafa là, il n'a qu'à être prêt en même temps. Il est garçon, non? Vente là. Il est fait. On ne parle pas trop. Il est bref. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On ensemble. Je peux bien matin. Toujours. Ciao.